Salut les filles, donc toujours dans ma lancée des vidéos, je vais vous parler donc d'une crème de jour que j'ai eue dans la Birchbox de je sais plus quel mois, bref on s'en fiche, hein. C'est la crème blanc cachemire. Alors mais je l'ai pas supportée en fait. Donc apparemment, d'après moi, en regardant la compo, il n'y a pas de silicone. D'après moi. C'est un truc qui coûte la peau des fesses. Genre le pot il coûte 65 euros quoi. C'est un truc comme donc un pot. Je sais pas, il doit faire 50 ml, enfin c'est vraiment pas grand chose. Donc là il y avait 15 ml. Je m'étais dit ouais super. Donc voilà. Donc ma crème de jour que j'utilisais à ce moment-là, la Florescence, elle était un peu trop fine. Donc du coup ça me tirait un petit peu à la fin de la journée. Donc je me suis dit je vais changer, je vais prendre quelque chose de plus riche. Donc effectivement, elle est beaucoup plus riche. En fait, elle me graisse la peau, quoi, c'est ça. La crème, ça sent pas grand chose, ça sent pas. Voilà. En fait, c'est super gras, je trouve. C'est. Je sais pas, c'est super gras quand on l'applique. Ça s'applique assez facilement. Enfin, oui, ça s'applique même très facilement. Mais en fait, après, juste après l'avoir appliqué, j'attendais un petit peu que ça pénètre. Enfin, ça pénètre assez facilement. Je me mettais la main comme ça et j'avais les doigts, mais la main graisseuse, quoi. Ça brille. J'avais pas le visage qui brillait et tout, mais ça faisait une sensation assez épaisse et assez lourde en fait sur le visage et j'aimais pas du tout. Et après quelques jours, ben, j'avais le teint terne et tout, puis j'avais la peau pas belle quoi, j'avais des petits boutons, des trucs comme ça, franchement ça m'a pas du tout réussi. J'avais la peau lourde, grasse, pas grasse, enfin ça se voyait pas quoi, ça luisait pas, enfin pas plus que d'habitude quoi, mais vraiment au toucher c'était gras, c'était épais, c'était dégueulasse, franchement j'ai détesté. Alors je sais pas vous si vous l'avez eu, ce que vous en avez pensé, mais moi je l'utiliserai plus, je crois que je vais l'acheter quoi, à moins que quelqu'un la veuille, mais franchement moi j'ai détesté, ça m'a pas du tout réussi. Donc voilà, donc c'est sûr que je la rachèterai pas. Et donc je continue avec ma Florescence. Et après bah, j'avais acheté sur iHerb là un truc à la grenade, je sais plus trop quelle marque. Donc voilà, donc je changerai. Enfin je changerai. J'ai repris ma Florescence. Celle-là, j'en veux plus, attends. Donc voilà. Donc je vais continuer à vous présenter les petits trucs. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, bye bye.